go. Wop, wop with the baby, the vibes are calling. No see, my family, I had to go in a harder country. Long time no see, my family, I need them so, and they also need me. Circumstances often alter cases. Ooh. Unwanted phases. Circumstances often alter cases. Ooh. Sometimes take you to different places. When suddenly you look around and you are not home, all the moments you share with them will never be in vain. The circumstances of life, yeah, have a meaning in just sight. This is something not so hard to bear. Oh. Yeah. Long time no see, my family. I had to move in a harder country. A long time no see, my family. I need them so, and they also need me. Love is the answer. Love is the key. They will understand if you love them. Don't lose faith. Even no. From afar, you think I'm dead. Love your family. Raising a family is not without pain. Whatever the time you spend, and all the moments you share with them will always be in vain. Circumstances of life have a meaning in just sight. Trust me, yeah. There's something that's so hard to share. Oh. Long time no see. I had to move in a harder country. I need my family, and they also need me. Love is the key. They will understand if you let them go. Don't lose my family. System and its affiliated stations present. We interrupt this program to bring you a special report. I wonder what it say. Cool running. Couler la peau. La pas couler le la pas couler le cœur.
quand la mer y bat, les alibas. Quand la rivière y tombe, la boue est en ensemble. Get by, no. L'apparence peut tromper. Tout peut arriver, mais rien ne sert de s'inquiéter. Couler à la peau, la pas couler le cœur. Couler à la peau, la pas couler le cœur. Kemlina son couler. A longtemps les poulets, qu'aime les sauts dans la terre, ça son battement le cœur. La pas l'apparence, fait son semence, fait plutôt reconnaissance. La pas l'apparence, qui gagne fait son romance, ça toujours gagne la patience. Vous êtes bien sur les ondes de RGB 99.2 FM dans votre émission Vibes Acom Radio Show. Merci Selecta Manfred pour cette sélection fort intéressante qui en a fait questionner plus d'un dans les studios. Petite inversion ce soir puisque on reçoit notre invité en première partie d'émission, une fois n'est pas coutume. Notre invité ce soir, on ne le présente plus. Vous le connaissez et lui aussi nous connaît car c'est la deuxième fois qu'il nous fait l'honneur de venir dans nos studios. Multi-instrumentiste, arrangeur, rhythm baker, producteur, ingénieur du son et chanteur. Il est notre dub thérapeute. Manjoul, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir RGB, bonsoir à Vibes Acom et à tous les trois, merci. Bonsoir les auditeurs. Yes, aïe. Du coup, on t'a déjà reçu il y a quelques temps. Là, on va vraiment se focaliser ce soir sur un super projet que tu as sorti, récemment, qui s'appelle Sound Therapy. C'est sorti, c'est disponible en vinyle en digital depuis le 15 octobre chez Baco Records. Donc, Manjoul, Mits, FX et Ivo, c'est comme souvent chez toi un projet collectif. Oui. Avec beaucoup de musiciens, mais surtout avec deux complices de longue date que sont Ivo Abadi et FX Villaverde. Est-ce que tu peux les présenter aux éditeurs? Oui, carrément. FX, c'est un ingénieur du son qui travaille énormément pour beaucoup de monde, mais notamment pour Tiken Jah Fakoly. Yes.
depuis plus de 15 ans. Et puis Ivo Abadi, c'est un batteur aussi qui a travaillé avec énormément de monde, et entre autres Amado et Mariam. Yes. On le retrouve aussi sur le Climax Orchestra et différents projets comme ça. Et donc, en fin de compte, c'est vrai, cet album, c'est avant tout, c'est tout le temps un témoignage et tout le temps collectif. Tu remarqueras ce que j'entreprends personnellement. Absolument. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un témoignage d'ensemblité, d'amitié entre nous trois. FX et Ivo avaient l'habitude depuis les 16-17 ans de venir très régulièrement au Mali travailler. Donc, on s'est rencontrés là-bas, dans mon studio, dans le studio de Tikanja, avec Amado et Mariam. Tous les trois, on se trouvait un peu dans ces projets-là, du Paris-Bamako à l'époque, notamment avec Feu Marc-Antoine Moreau. D'ailleurs, l'album est aussi dédicacé à Marc-Antoine Moreau, qui était un grand manager, directeur artistique, qui a fait énormément de choses en Afrique. La dernière chose qu'il ait fait, pour l'anecdote, c'est qu'il avait réussi à monter le pôle Universal en Afrique. Ok. Et qu'il avait réussi même au niveau du siège aux États-Unis à faire ce qui ne s'était jamais fait, c'est-à-dire avoir le logo Universal, mais avec cette fois-ci l'Afrique. En visu, donc c'est pour l'anecdote, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et, et Jupiter and Oquest aussi, Amado et Maria, mais beaucoup pour Mamani Keita, je crois. Mamani Keita, enfin la liste est très longue. Donc voilà, pour l'anecdote, donc c'est vraiment à travers lui que vous êtes rencontrés. C'est à travers lui qu'on s'est rencontrés, qu'on a beaucoup travaillé, et voilà, et on s'est retrouvés tous les trois. Donc je suis là depuis quelques années, très beaucoup plus basé en Europe concernant les études de mes enfants surtout. Yes. Et du coup, ça s'est produit en plein... Disons, quand je suis arrivé, Marc-Antoine est parti. Mmh. Et du coup, on s'est retrouvé avec FX et Ivo autour de cet événement, autour du fait qu'on se retrouvait cette fois-ci en France et plus au Mali. Et donc, ils m'ont tout de suite tendu la perche et j'étais honoré de profiter de leur accueil, je dirais, effectif sur l'album, parce qu'ils m'ont accueilli dans les studios, ils ont rendu vraiment la chose possible à bien des niveaux. Donc artistiquement et techniquement, c'est vraiment un album à nous trois. Mm-hmm. Voilà. Yes. Combien de temps ça a pris, depuis combien de temps ça mature ce projet entre... Écoute, réellement le projet, au moment où on en a parlé, c'était à l'aube du confinement. Mm-hmm. Mais en vérité, à travers FX, on a récupéré aussi des bandes qu'on avait enregistrées ensemble aussi dans le studio de Tikanja il y a une dizaine d'années. D'accord. Et donc ces riddims a été resté au niveau du basse-batterie, des rythmiques, de quelques overdubs dessus, mais c'était pas finalisé. FX les a ressortis, il les avait gardés, à ma grande surprise. Et donc on les a finalisés, on leur a donné âme à travers ce projet. Donc si tu veux, le projet est né à l'aube du confinement, mais la matière interne, elle est plus ancienne. D'accord. L'ensemble des morceaux ? Non. Trois des titres. D'accord. Trois titres parmi ces morceaux-là. Ceux justement où on retrouve Charlie, le batteur Charlie Laube, okay. Notamment à la batterie, ceux-là ont été faits au Mali il y a une dizaine d'années. Et quel est votre process à vous trois, puisque c'est un album à trois têtes, je crois que c'est toi qui proposes d'abord des thèmes ? Oui, alors j'ai proposé des thèmes, ça s'est fait vraiment, si tu veux, c'est souvent comme ça artistiquement, tu as une idée au départ très claire, mais très innocente et pas encore tout à fait précise, et au fur et à mesure, la chose se précise en ajoutant la magie et l'aléatoire et l'imprévu qui se mêlent à ça, et puis ça donne ce que ça donne, quoi. Mmh. Bon, c'est pas très différent que dans une cuisine en vérité, mais du coup là ça a été assez naturel, puisque Ivo étant batteur percussionniste et moi bassiste percussionniste, alors ça a commencé comme ça. Ça a commencé dans une session basse batterie qui a duré 2 jours dans laquelle on a enregistré plus de riddim qu'il n'y en a là, pour choisir vraiment ceux qui nous semblaient opportun de présenter. Et ensuite on a continué par section, donc toujours par section, rythmique, cuivre, etc. Il y avait toujours une réalité vivante, dans ce sens que moi, tu sais, j'aime toujours enregistrer de A jusqu'à Z, et il y a très peu d'éditions ensuite sur la post-production. Mais, et du coup, c'est resté quand même à chaque fois très intense et très instantané comme travail. Mm-hmm. Effectivement, les thèmes, j'ai apporté les thèmes principaux, mais chaque intervenant après a défini sa place et sa pièce dans le moteur, si tu veux. Donc, encore une fois, c'est vraiment... Oui, une œuvre qui sort de notre raisonnement à nous trois, mais c'est le témoignage d'une grande liste de musiciens fabuleux.
Yes. Qu'on a la chance de travailler avec et de côtoyer depuis longtemps. Ouais, ouais, on va reparler un peu de cette équipe. Cet album, il s'appelle Sound Therapy. Donc, bon, on est déjà convaincu du concept. Ouais. En tout cas, que la musique fait du bien à ceux qui en font comme à ceux qui écoutent. Mais exactement. Est-ce que tu peux nous dire pour toi quelles sont les vertus, les bienfaits de la musique ? Eh ben, sans citer les vertus et les bienfaits, je dirais quand même que la musique est bien plus puissante que ça. C'est-à-dire que elle peut aussi, je pense, rendre mal à l'aise. Elle peut aussi, elle peut donner l'espoir aux gens comme elle peut donner le désespoir aux gens. Elle peut donner envie à des gens de se lever comme à des gens de rester couchés. Elle peut donner à des gens envie de se défouler et donner à des gens envie de se calmer en fonction de la musique. Donc la musique dans son ensemble, c'est quelque chose qui a un réel effet sur le corps humain en fin de compte. Et du coup, après, est-ce qu'elle fait toujours du bien ? Je pense pas. Mais par contre, nous, on avait cette vocation de faire du bien, de se faire du bien en faisant ça, et de faire du bien au peuple qui allait écouter. Yes. Voilà. All right. Alors au départ, sans te couper, c'est vrai que la notion au départ, c'était autour de la thérapie, de la musique, donc musicothérapie. Mais on n'est pas musicothérapeute, on n'a pas de licence pour ça. Par contre, on sait que depuis très longtemps, on se fait du bien en faisant de la musique et on sait que ben, par réverbération, ça fonctionne, ça fait du bien aussi à d'autres. Donc bien voilà, sûr. C'est un peu ça. Bien sûr. C'est devenu sound thérapie parce que tous les sons sont englobés. Des fois, un bruit de l'eau qui coule, c'est déjà du son. Oui, d'ailleurs, il y a... C'est pas sciencé, forcément. Des enfants qui jouent ou qui rient, c'est déjà du son. Et c'est déjà quelque chose qui fait du bien. Alors, voilà, c'est la thérapie du son dans sa globalité. Voilà. D'ailleurs, on retrouve ici ou là, dans l'album, quelques travails de... Oui. Quelques bruitages, quelques chants d'oiseaux aussi. C'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui veulent bien entendre, il y a plein de petites choses comme ça. Yes, notamment dans le titre qu'on vient d'écouter, évidemment, cette Mifree avec Cedric Myton et Baco. Sur le communiqué autour de cet album, donc, tu dis que vraiment c'est une thérapie psychique, que vous êtes tous les trois convaincus que c'est une que la musique est une thérapie psychique, physique, sociale et spirituelle. Ouais. Sur le côté social, du coup, tu crois justement que... la société a besoin de plus de musique ? Je crois clairement que la musique a cet effet sur le peuple, je dirais, sur chaque partie, chaque membre du peuple, et je le vois au fur et à mesure de ma vie, dans différentes expériences. Je vois que réellement, la musique... on dit des fois, comme ça, dans une expression, que la musique adoucit les mœurs. Mais ce n'est pas seulement les mœurs qu'elle adoucit, des fois aussi, elle permet de réfléchir, de... La musique a cette force aussi, même quand elle arrive avec un thème, l'auditeur, il a cette introspection, il peut tout de suite se sentir concerné en appliquant tout de suite ce qu'il entend, en l'imageant par rapport à des choses qu'il vit ou qu'il a vécu, tu vois, ou qu'il va vivre. Du coup, je pense que oui, socialement, c'est le bien que ça procure socialement, pour moi, est même plus important que le bien physique qu'il procure. Et encore une fois, même de le faire, l'attitude et la disposition en faisant la musique et en se concentrant sur les joies mais aussi les peines, et ça permet de faire ressentir des choses qui vont soigner à travers cette sommation de joie et de peine. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Voilà, et c'est un peu ça en quelques mots. Qui a vraiment une utilité sociale au-delà de... Oui. C'est physique, c'est social, c'est psychique, bien sûr, parce que voilà, ça fait du bien au corps de ressentir de la musique, comme aux plantes, tout ce qui vit d'ailleurs. Quand on parle de thérapie, c'est pas seulement pour les êtres humains, mais vraiment pour tous les êtres vivants, quoi. On le voit, les animaux, pour des gens qui vivent avec des animaux, ils voient la réaction qu'ils ont avec la musique, hein. Les plantes aussi. Les enfants, quand ils ne savent pas parler ni s'exprimer, on les voit réagir à la musique. Clairement, dès tout petit d'ailleurs, ouais. Et du coup, toi personnellement, est-ce que la musique a été une thérapie pour toi dans ton parcours? Oui, concrètement. Si t'avais pas eu ça, est-ce que... Si j'avais pas eu ça, je pense que... Comment tu imagines? Je pense que j'aurais fait beaucoup de mal. Ok. Ouais, sûrement j'aurais fait beaucoup de dégâts, surtout étant jeune. Là, je pense que la musique et ce qui l'entourait, le verbe et la musique, les mots et la musique...
m'a permis déjà ça m'a permis de me questionner sur ce qui me plaisait ou pas, sur ce qui me satisfaisait ou pas. Et après je me suis commencé à me demander quelle vie j'avais envie de vivre. Et là maintenant, comme je dis, j'ai commencé à chercher à ce qui me faisait du bien. Et ensuite, quand je trouve ça, ça fait du bien à ceux qui m'entourent. Si moi je suis bien, si ça me fait du bien, ça fait du bien à ceux qui m'entourent. Mais si j'avais pas eu la musique, peut-être que, et la musique, j'englobe aussi la foi et beaucoup de choses que j'ai découvert en même temps que la musique. Mais s'il n'y avait pas eu cet événement dans ma vie, autour de la musique qui m'a ouvert sur la foi, qui m'a ouvert sur l'apprentissage, qui m'a ouvert sur beaucoup de choses que j'avais absolument pas envie de m'intéresser auparavant, c'est la musique qui m'a intéressé à la discipline, parce que pour moi c'était l'armée, la discipline ça m'intéressait pas. C'est la musique qui m'a intéressé à la foi, parce que la foi pour moi c'était l'école coranique ou bien l'aumônerie, ça m'intéressait pas. Et encore une fois, c'est la musique qui m'a donné envie d'apprendre, parce que apprendre c'était l'école ça me fatiguait. J'avais pas envie d'aller à l'école, donc j'ai compris que trop tard que je pouvais apprendre à apprendre, mais tant que j'avais pas compris ça me fatiguait, l'apprentissage. La musique m'a donné goût à ces valeurs là que la société, quelque part, m'avait écarté. Le goût pour une certaine connaissance. Apprendre, envie de connaître, de vivre et d'être heureux malgré tout, tu vois. Donc du coup, c'est aussi fort que ça. Sincèrement, c'est pas juste la musique adoucit les mœurs, ce qui peut être vrai. Mais non, pour adoucir les mœurs, il faut de la justice, il faut de l'équité, il faut du respect, il faut de l'amour. C'est ça qu'il faut pour adoucir les mœurs. La musique ne peut pas le faire s'il n'y a pas ça à côté. Par contre, elle a tous ces effets-là que je te dis, même dans un monde sans justice, etc. etc. Et cette intention thérapeutique, du coup, de quelle manière elle influe ta musique, ou est-ce que c'est quelque chose de conscient ou pas quand tu crées Oui, c'est directement relié avec ce que je vis à chaque fois, toute une situation, quelque chose, un événement, une rencontre, une épreuve, une joie, une peine. C'est à chaque fois ça qui déclenche une ligne de basse ou des accords ou un refrain, quelque chose. C'est toujours ça, ça vient toujours d'un événement de vie. All right. Donc, t'es déjà venu nous voir il y a 2 ans, je crois. Oui. C'était en septembre 2019. On invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller voir cette vidéo qui est toujours disponible, où tu nous parlais de Dub to Mali, du 3e, la saison 3, c'est de Dub to Mali. C'est ça. Et à l'époque, tu nous parlais déjà en fait de ce projet avec ces deux complices, en fin d'émission, mais tu nous parlais plutôt d'un projet instrumental à l'époque. C'est vrai. Donc finalement, on entend beaucoup de voix, des superbes voix d'ailleurs sur le, sur le projet. On entend en fait qu'un seul titre instrumental, Griotic Dub. Oui. Et il y a des voix superbes, il y a Cédric Myton qu'on a entendu avec Baco. Il y a Cornel Campbell qui est là, il y a Jupiter dont tu parlais, Clinton Fearon dont on va parler aussi, Cyril Atef, Tikok Velay qu'on connaît moins avec ce superbe titre Couleur, et il y a même Cyril Atef qui chante, et j'ai oublié Valérie Trébor, j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais il y a surtout toi aussi qui chante. C'est vrai, je chante, je joue les trompettes, les percussions, les basses, et pas mal de petites choses comme ça. Ouais. Bon, chanter en réalité, je chante depuis 99. Mais je fais une chanson de temps en temps. Là, on t'entend quand même plus. On m'entend plus parce qu'on me l'a plus demandé. Ok. Et c'est ça, on n'est jamais mieux. On se sent jamais mieux que là où on est invité, quoi. Donc moi, j'ai toujours aimé chanter. Et c'est pour moi, de la cloche au chant, tout ça, c'est la musique. Et je fais pas de distinction ni dans la sensation ni dans le plaisir. À la clave, je vibre autant que si je chante en lead ou que je joue un autre instrument. Donc pour moi, tout ça, c'est des pièces d'un moteur, et quand le moteur tourne, ça me fait plaisir. Et quelle que soit la pièce que je prends, ce qui me plaît, c'est de faire mon rôle et de le faire bien. C'est quelqu'un d'outil, quoi. Voilà. Donc du coup, je suis au service de la musique. Donc là, effectivement, il y a eu à la fois beaucoup de choses qui viennent de moi, parce qu'il fallait qu'on avance et qu'on crée quelque chose ensemble. Et ensuite, on a fait intervenir d'autres artistes. Évidemment, il fallait, pour que le médicament soit complet ou que les médicaments soient complets, pour que la posologie soit complète, il fallait du mot, du verbe. Parce que déjà mis le verbe en premier. Alors il fallait là, en plus avec un titre comme ça, on ne pouvait pas apporter quelque chose sans l'accompagner du verbe. Alors on l'a fait de manière à chaque fois assez éclectique, comme tu le remarques. Yes. Et pas du tout sur des formats habituels.
ou en tout cas des formats traditionnels mais peu usuels. Et du coup, voilà, il y a eu un tas d'étapes successives qui se sont ajoutées, d'intervenants qui se sont rajoutés pour créer cette œuvre-là. Et c'est là, encore une fois, je te dis, c'est vraiment... beaucoup de choses se sont décidées par nature. Mmh. Nous, on a envoyé l'étincelle, on s'est soumis à l'œuvre. Et après, il y a énormément de choses qui sont venues se greffer à ça. Les musiciens qui étaient là à ce moment-là. Oui, comme ça se passe dans la vie. Hein, des fois, tu sors de chez toi, tu dis tu vas trouver lui, tu vas lui dire ça, 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 ça. Et puis quand tu arrives, tu lui dis autre chose. Parce qu'entre-temps, il y a des choses qui se sont passées. Mais je pense que c'est ce qui te caractérisait aussi de cette manière de faire de la musique très, très spirituelle, en tout cas très, très humaine, au gré des rencontres, en laissant place peut-être au hasard. Bah, je crois que c'est le premier bien que ça fait aux gens d'entendre quelque chose qui est fait avec des gens. Tu vois, tu parlais de Bako tout à l'heure. À Mayotte, il y a quelque chose qui est très fort. Gros big up à Bako aussi. Oui, big up à Bako. Il y a une phrase très importante qu'on dit à Mayotte, c'est « Az ni moana adam ». Alors, « Az ni moana adam », ça veut dire « travaille avec les hommes ». Et je crois qu'il y a quelque chose de très satisfaisant pour un être humain, surtout aujourd'hui, avec l'isolement, le chacun se débrouille, chacun truc, et ben c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant pour un homme, une femme, enfin un homme avec un grand H, de voir ou d'entendre quelque chose qui réunit plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Mmh. Et déjà, pour faire du bien aux gens, la première solution, c'est de lui offrir quelque chose qui est fait avec plusieurs personnes ensemble. Mmh. L'ensemblité, le fait que c'est comme ça qu'on fait quelque chose, ça fait du bien à l'homme toujours de se le rappeler à travers des œuvres, à travers le sport ou à travers un bon travail sur un chantier ou autre. Chaque être vivant ressent ça, ce plaisir de travailler ensemble, faire quelque chose de bien. Yes. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et ça, s'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Mmh. À propos de l'homme, je vous propose, chers auditeurs, de découvrir un deuxième titre extrait de l'album Sound Therapy, Manjul meets FX et Ivo. C'est le titre, justement, L'homme. Selecta. Yes, vous êtes toujours à l'antenne de RGB 99.2, vous êtes dans votre émission Vibes Acom Radio Show. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 22h, comme tous les vendredis soirs, en direct de Cergy. On est toujours avec l'homme Manjul. Ça va toujours, Manjul ? Oui, bien sûr. Yes. On vient de s'écouter ce titre L'homme, dont on parlait aussi hors antenne. Je pense que tout le monde aura reconnu la petite référence à Georges Brassens. Ouais. Georges Brassens, donc voilà, sur ce titre qui rappelle l'Auvergnat. Bah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la raison de cet hommage et de ce titre ? Écoute, on avait évidemment envie qu'il y ait une résonance locale, là où principalement l'album a été fait quand même, parce que même s'il a été fait dans plein d'endroits différents, c'est en France, principalement à Saint-Ouen, qu'il a été en grande partie réalisé. Et du coup, il y avait cette volonté de faire résonner un artiste français. Et le choix s'est vite porté sur Brassens et très rapidement sur cette chanson. Étant tous les trois... alors moi, je suis né dans le 18e, j'ai grandi dans le 18e, et Ivo et FX, ils vivent et il passe énormément de temps, en tout cas, pour FX, et Ivo y vit. Du coup, dans le 18e, cette chanson résonne d'une manière. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Barbès et de Châteaurouge, entre autres, c'est que la première communauté qui est venue s'installer à Barbès, donc, et dans le 18e, d'une manière assez globale, c'était les Auvergnats. Mmh. À l'époque, eux, ils géraient les bœufs, le bétail, le lait, le fromage, et ils descendaient ça à Châtelet-Léal en passant par la rue du Four-Poissonnière, ils descendaient, ils allaient vendre ça. Bon, à l'époque, c'était évidemment les bouseux, les gens de la campagne, les gens, tu vois, les gens d'en bas, quoi. Et pour moi, la chanson de Georges Brassens résonne en moi par rapport à ça, parce que le 18e, qui est connu pour son accueil, tu vois, et a connu les Auvergnats dans une première vague, et on voit encore des traces des Auvergnats, et on voit encore un héritage qu'ils ont laissé dans ce quartier et chez les gens qui ont grandi dans ce quartier, quel qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Du coup, c'est cet hommage, cette chanson que Georges Brassens appelle l'Auvergnat, c'est une chanson qui résonne en moi particulièrement par rapport à cette anecdote liée au quartier du 18e. Pourquoi le choix. Super histoire d'ailleurs, je crois qu'on célèbre les 100 ans de la naissance de Georges Brassens cette année. Et voilà. C'est tombé dans un grand hasard.
Yes. Tout très sincèrement. Des bien heureux hasards, comme, oui, oui, comme oui, souvent oui. avec Manjoul. Ah, ouah, parfois. Du coup, il y a plein d'autres musiciens dans ton équipe médicale. Oui. Il y a des musiciens de l'océan Indien, des Comores, du Congo, du Mali, Guyane, Jamaïque, France, c'est worldwide. Oui, assez worldwide. Mais en fin de compte, c'est très, très lié à toutes les collaborations qu'on fait actuellement. En fin de compte, tu vois, c'est comme chaque volume de Dub to Mali. C'était un peu un témoignage aussi d'une époque avec ouais. certains intervenants. Mais là, pareil, c'est vraiment un choix. Le casting et le choix, je dirais, à part la version de Cornel Campbell, et je t'expliquerai pourquoi. Pour tout le reste, le choix était vraiment... un choix lié à notre parcours actuel. Pour moi, c'est tout ce que tu imagines. Pour FX et Ivo, c'était Cyril Atef, Shaki Norman, entre mm-hmm. autres, Jupiter Anokwes, etc. Donc, yes. du coup, il y a vraiment. Qu'on vient d'entendre. Ouais, ouais. Donc, du coup, il y a vraiment cette volonté qu'on avait. Pour Cornel Campbell, c'est un petit peu différent, parce qu'encore une fois, c'est une acapella qui avait été enregistrée sur un rythme. Okay. Avec FX et Jérôme Galabert et Manu Humbert à D'accord. l'époque. Yes. D'ailleurs, une pensée pour eux et pour le Garance. Absolument, et, on y croit. Et donc du coup, bah, pareil que les Ridim dont je te parlais tout à l'heure, c'était resté un peu de côté. Et FX a ressorti ça, il a dit « Manjoul, il faut qu'on fasse l'instrumental de ce morceau. » Et ça y est, donc on l'a fait. Et on, bah oui, évidemment, il est passé presque en tête de l'opus parce qu'il illumine... Cornel, avec sa voix d'oiseau, il illumine l'album dès le début. Carrément. Carrément. Du coup, on l'entendra pas ce soir, mais on invite tous les auditeurs à aller écouter ça, à se procurer le vinyle ou le format c'est digital. Ça. Il y a plein d'autres musiciens. Je crois qu'il y a plein de gens. Bah, il y a Rico, il y a Cubix, il y a aussi Nati Frenchy des Scatalites. C'est ce qui était le guitariste des Scatalites. Il y a Jérôme, qui est un super guitariste de backing band dans la région parisienne, avec qui on a pas mal travaillé à l'époque, avec Takana Zion, entre autres, et Dub to Mali. Il y a Didier Bollé au trombone. J'arriverai pas à les citer tous, mais bon, il y a Nati Jo de la Côte d'Ivoire, un des artistes avec qui on travaillait beaucoup, parce que moi je formais pas mal de bandes au Mali pendant longtemps. Là un peu moins parce que je suis pas présent sur place, mais ces bandes-là continuent à évoluer de leurs propres ailes, et Nati Jo qui joue dans le morceau avec Clinton, les guitares qui sont exceptionnelles. Lui, c'est un guitariste d'Abidjan, un jeune guitariste émérite. Non, il y a vraiment, on a eu vraiment l'honneur d'avoir beaucoup de participants. Je te parlais de Cyril Atef et de Shaki Norman, mm-hmm. joueur de Melodica. Yes. Une super sensibilité. Cyril Atef qui est au vocal, d'ailleurs. Cyril Atef qui fait des vibes comme à son habitude, mm-hmm. percussive, avec la bouche, les mains, tout ce qu'il peut. Yes. Non, c'est vrai que ça apporte beaucoup de bons ingrédients. Hein. Mm-hmm. Encore une fois, c'est vraiment un travail ensemble. Yes, I. On se le disait, c'est vraiment une worldwide thing cette affaire. Ça a été enregistré aussi aux quatre coins du monde, je oui, crois. Exactement. Bah, on a profité, et comme on voulait nous isoler dans le confinement, on a dit on va prouver que c'est difficile aujourd'hui de nous isoler. Donc là, d'ailleurs, je t'avoue que cet album il a été fait en grande partie pendant le confinement, et le tracklist des studios, j'ai jamais eu un tracklist avec une si grande quantité de studios différents. Du coup, ça doit changer un petit peu, toi qui, du coup, j'imagine. Bah oui, mais c'est la volonté. Avant de revenir ici, était vraiment dans ton humble arc. Oui, tout à fait. Mais c'est la volonté aussi. Moi, j'ai toujours aimé aussi travailler dans différentes situations, avec d'autres gens, d'autres studios, d'autres choses. Ça, j'ai aimé beaucoup. Et puis là, du coup, c'est toujours, tu sais, ce qui est censé. À un moment donné t'handicaper, ça peut être pour n'importe quelle différence que tu as physique ou quoi, ce qui est censé t'handicaper, il faut le transformer en un plus, en un pouvoir, quoi, en quelque chose, il faut donner raison à ça en fin de compte. Donc là, moi je suis venu pour les études des enfants, je pouvais pas venir avec mon studio, et le studio il fallait qu'il reste là-bas, mais par contre j'ai utilisé ça à bon escient, et je me suis dit ça veut dire qu'il faut que je travaille dans les studios des autres, du coup là pour le coup c'est ce qu'on a fait, et puis en fin de compte c'est aussi pas mal le studio dans lequel je bosse ou ai bossé, tu vois, donc ça aussi c'est toujours un lien avec ce qui s'est vécu au même moment. Donc ça, il y a quand même une partie toujours d'enregistrer au Mali, je crois, t'as enregistré à Paris, oui Jamaïque, Réunion. Ouais, carrément, dans les endroits qui font partie de mon histoire, comme la Réunion, le Mali, la France évidemment,
et puis aussi en Jamaïque, aux États-Unis, mais parce que aussi les artistes pouvaient pas forcément voyager. Tu vois, c'est comme je te dis, une situation d'isolement qui a révélé une potentialité plus forte que si on n'avait pas été dans l'isolement. Yes. On parlait tout à l'heure de cette dimension thérapeutique du projet, qui se retrouve vraiment dans la musique avec quelque chose de très chaleureux et réel, mais on le retrouve aussi à travers les lyrics, où sur de nombreux titres, on sent, tu fais comme un appel à l'humanité de chacun, je pense. Oui, oui, bien sûr. Avec des titres comme You Mind Being, le premier titre, ou encore L'homme qu'on vient d'écouter, ou Couleur, ou quelques autres titres. Est-ce que peut-être tu peux t'arrêter, on peut s'arrêter un peu sur ce premier titre de l'album qui est très particulier, avec ces deux patterns différents, ces deux rythmes différents. Oui, et ben écoute, musicalement, il y a, enfin voilà, déjà, on parlait des paroles tout à l'heure. C'est vrai que à chaque fois que j'apporte un thème musical, il y a toujours un thème lyrical derrière, toujours. Mm-hmm. Donc il y a toujours un titre. Les titres c'était à peu près les mêmes en vérité. Après le reste des paroles, c'est un développé de ce thème-là. Mais ce thème-là a déjà engendré une réflexion par rapport à la musique. Et du coup, Human Being, ben c'est ça. Finalement, l'homme aime toujours se retrouver dans un groupe pour se rassurer, tu sais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, depuis mon enfance, qu'il y a de plus en plus de groupes et que tout le monde a peur sans son groupe. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai été amené dans ma vie à travailler avec des gens différents qui exprimaient la diversité par rapport à mon vécu. Et chacun. Et du coup... En fin de compte, si chacun aime se rassurer d'appartenir à un groupe, alors ce groupe, pour moi, ça doit être le groupe de l'être humain. La communauté humaine. Et du coup, je n'interfère pas dans le besoin de certains d'appartenir à un groupe qui fait partie de l'être humain, mais j'encourage à visualiser ce groupe-là, au-dessus des autres groupes. C'est comme le pouvoir et... Il y a beaucoup de choses ont du pouvoir. La parole, l'argent, la musique, la politique, beaucoup de... Mais au-dessus de ce cercle du pouvoir, pour moi, il y a quelque chose de plus puissant que le reste qui doit être au-dessus. Mais c'est pareil. Yassai, merci. Il y a un très beau titre aussi qui s'appelle Les Couleurs, avec ce chanteur que, en tout cas, nous, on ne connaissait pas, Tikok Velay. Est-ce que tu peux nous parler de lui et de ce titre ? Tikok Velay est extraordinaire et connu par tous les Réunionnais. Entre autres, et même autour de la Réunion, c'était entre autres le choriste principal de Daniel Waro. Okay. Pour ceux qui connaissent un peu la musique de la Réunion. Donc Tikok Velay, c'est un vocaliste extraordinaire, un choriste extraordinaire, qui chante aussi en lead de plus en plus. Okay. Et effectivement, ben là, j'avais envie, comme un peu d'habitude d'ailleurs, des fois... plus explicitement que d'autres, mais il y a toujours un écho à la Réunion dans mes œuvres. Et là, il est un peu plus explicite, bah déjà parce qu'il y a de la parole. Mais effectivement, j'avais envie de faire un duo avec un chanteur de Lille et lui, Samuel Journet, Jassam, avec qui je travaille beaucoup. Entre lui et moi, ça nous a semblé évident. Ok, ok. Superbe titre, en tout cas, bravo avec lui. Donc, je partage le micro avec lui sur ce titre. Je voulais te parler d'un autre titre, on va pas tous se les faire non plus, parce qu'on on a d'autres questions, et puis on a envie de te découvrir, bien sûr, en live, ici. Je voulais parler de ce titre qui est le premier single de l'album, avec Clinton Fearon. Oui. Long Time No See. Donc, Clinton, c'est aussi un complice de longue date, en live, en studio. Ouais, depuis quelques années, en tout cas. Et bah ouais, ça a été une grande rencontre en crescendo. Et puis à un moment donné de la création de cet opus-là, le morceau, en fin de compte, comme très souvent, beaucoup de producteurs ressentent un peu la même chose parfois. Des fois, tu travailles sur une instrumentale et tu penses à quelqu'un fortement, quoi. Tu penses tellement à la personne qu'à un moment donné, tu te dis, oh non, ça va. Tu sens ça comme une direction donnée, tu sais, comme une direction au-dessus de toi qui te dit c'est lui, et tu penses tellement à lui. Et effectivement, au fur et à mesure que j'avançais dans ce morceau, je pensais à Clinton. Finalement, je lui ai fait écouter le morceau et puis je lui ai fait part de mon envie. Et directement, ça a résonné en lui. À mon grand étonnement, il a réagi directement. Voilà.
Au départ, je t'avoue que je me disais que c'était déjà le moyen de savoir ce qu'il en pensait. Et puis, après ça, une fois que je l'ai envoyé, je me suis dit, bah, il va me dire ce qu'il en pense. Et non, il a carrément adopté la chose, il a ressenti le thème et ça l'a inspiré directement. Yes. Du coup, ce titre, on le retrouve en clip, c'est le premier clip. Est-ce qu'il y aura d'autres clips ? Oui, il y a d'autres clips en préparation. Alors, les clips, j'essaye de les visualiser toujours en termes d'exercice artistique, si tu veux, sur le côté pluridisciplinaire de l'art. Et du coup, là, c'est un clip un peu dans un format clip qu'on voit de temps en temps, qu'on a l'habitude de voir. Mais par contre, les autres clips seront des schémas plus originaux, on va dire. D'accord. En faire appel à d'autres techniques artistiques et d'autres points de vue. Voilà. Donc il y en a d'autres. C'est déjà dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Yes. Bah, écoute, tu nous as mis l'eau à la bouche. On a hâte de les découvrir. Ce titre, Long Time Nosy, il parle aussi du coup de la distance entre les êtres proches. Est-ce que justement ça a un lien avec l'épidémie Pas vraiment en vérité. Ça a un lien avec une sensation que beaucoup ont ressentie pendant l'épidémie, mais que énormément d'autres ressentaient avant cette épidémie, si tu veux. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous a parlé à Clinton et moi, c'est que tous les deux on partage ça, c'est-à-dire que on est souvent loin de chez nous, on est souvent sur la route, on est souvent et on a, au final, on a plusieurs chez nous. Et quand on a deux ou trois chez nous, à chaque fois qu'on est dans un chez nous, on n'est pas dans les deux autres. Donc à chaque fois, il y a cette famille au sens large du terme qui le manque de ses proches, tout simplement, qui se ressent. Et c'est cette sensation du manque de ses proches quand on a quelque chose à faire, quand on part pour faire quelque chose qui est important, qui nous semble important. Et de partir avec cette envie et cette possibilité de le faire, et en même temps cette sensation de laisser quelque chose. Je crois que c'est encore quelque chose de très humain et que beaucoup peuvent ressentir ça depuis la naissance jusqu'à la mort, confinement ou pas. Les épreuves de la vie font qu'on ressent ça de toutes les façons. Bien sûr, je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Oui, ça parlera aux parents qui ont eu des enfants, qui ont grandi. Ça peut parler à plein de gens. C'est les époques, c'est les saisons, les saisons qui passent, les époques et les raisons qui changent, toutes ces choses-là qui apportent de l'émotion. L'émotion, c'est important aussi pour parfois se recentrer, quoi. Mmh. Yes, I. Sur cet album, il y a aussi un bonus track qui s'appelle Green Sunshine. C'est aussi une thérapie. Ah oui, carrément. Carrément, c'est une thérapie inexplicite cette fois. Yes, I. Mais ceux qui sentent savent. Yes, I. Ceux qui sentent savent, et on a bien senti, on a bien compris. Et du coup, sur ce titre, tu joues de l'orgue. J'ai toujours aimé jouer l'orgue et les pompes, etc. Mais j'ai toujours eu un amour pour le travail de Jacques Mitou et bien d'autres organistes. Très bonne ref. Et du coup, finalement, ça a toujours été un plaisir pour moi quand je faisais un morceau, même pour un chanteur, d'avoir une version instrumentale, une version dub et une version aussi avec un instrument en solo, quoi. Alors des fois c'est un trombone, des fois c'est un sax, des fois c'est une trompette, des fois c'est un orgue, des fois c'est un mélodica, tu vois. C'est un peu le quatrième titre d'un 12 ou d'un 10 inch, tu vois. Et du coup, en fin de compte, j'ai toujours eu cette habitude un peu disciplinaire, de chaque fois que je faisais un rythme, d'avoir ces 4 ou 5 développés possibles. Et du coup, ça c'est un développé de ce rythme, mais avec une balade d'orgue. Une balade à l'orgue. Voilà. Yes, j'aime beaucoup cet instrument, donc merci pour ça aussi. Il y a un peu moins d'instruments africains que sur les projets Dub to Mali. Oui. Il y en a quand même sur quelques titres. Eh ben, c'était important pour distinguer. C'est vrai que si c'était moi, j'en aurais mis dans beaucoup de titres, je t'avoue. Mm-hmm. Mais il fallait distinguer les œuvres et c'était pas un Dub to Mali 4. Mm-hmm. Donc il fallait arriver pour l'auditeur aussi à sentir que c'était autre chose, dans la même chose. En fin de compte, c'est comme il y a plein de petites histoires dans la grande histoire et il y a plein de petites choses dans la grande chose. Finalement, là, c'est quand même présent dans deux titres, mais évidemment moins que sur les Dub to Mali. Yes, yes. En tout cas, on le retrouve sur plusieurs. Mais on retrouve à Saba, Ongoni, à Saba Dramé, Ahmed Fofana, à la Kora. Il y a même de la flûte. Voilà, je crois. Flûte, peul, exactement.
Du coup, j'ai lu récemment un petit article qui mettait en avant ton projet de nos confrères de Nova, qui parlait de dub africain. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu te reconnais dans cette appellation? C'est-à-dire, je te dirais, le miel ne se dit pas doux. Je ne sais pas, moi, comment on pourrait me définir autrement, ou définir ce que je fais parmi d'autres. Parce que pour moi aussi, il y a un out of many. Pour moi, je suis un parmi d'autres. Et autour de moi, plus ou moins connu, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un même sens, même si ce n'est pas un grand nombre. Mais quand même, je pense qu'il y a assez de gens qui travaillent dans une même... œuvre, dans un même ouvrage global en fin de compte. Et du coup, je renie pas dub africain, pourquoi pas, vraiment, parce que tu pourrais dire aussi, pour moi, il est africain parce qu'il est né peut-être en Afrique, mais après il est humain. Dub humain. Yes. Donc africain bien sûr, mais le reste encore aussi. Encore cette identité humaine plutôt que tu veux mettre en avant. Ah oui. Yes, on l'a bien compris. Enfin, je crois que c'est la vie qui met ça en avant et qu'on l'oublie quoi. Yes. En tout cas, l'Afrique est jamais très loin sur tes projets. Tu as dû avoir un regard, j'imagine. Récemment, il y a eu le 28e sommet Afrique-France. Oui. Avec, je dirais, une certaine liberté de ton, des paroles quand même assez fortes émanant de la société civile, de la jeunesse, sur des thèmes qui fâchent, qui sont peut-être pas abordés aussi librement, comme la dictature, le soutien français, etc. Alors, il y a eu quelques annonces, mais en parallèle, on nous annonce récemment un traité Europe-Afrique sur l'immigration qui a l'air très ferme. Comment toi t'as regardé ces images du 28e sommet? Écoute, j'ai regardé ça un peu comme tout le monde, d'une manière objective. Il y avait des choses intéressantes dans l'approche, il y avait des choses intéressantes dans le contenu, les gens qui se sont exprimés, j'ai apprécié ce que j'ai entendu. Après, c'est pas des choses qu'on n'avait pas entendues, c'est des choses qui se disaient pas au président. Mais aujourd'hui, comme le président, on le gifle et on le truc, on peut aussi lui causer et puis lui dire ce qu'on n'aime pas, quoi, au final. C'est un peu ce que je vois et c'est bien. Pas forcément qu'on le gifle, hein, mais c'est bien qu'on casse cette barrière, parce que c'est un président, pour moi, c'est un peu comme le père de beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles dans la nation. Donc pour moi, c'est important qu'il soit à l'écoute. Maintenant, qu'est-ce que ça va servir à quelque chose? J'en sais rien. Et parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé, Thomas Sankara a dit beaucoup de choses, et à Mitterrand à l'époque, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, ça change, j'en sais rien. Ce que ça prouve, c'est que la jeunesse, elle n'est pas idiote comme les gens veulent penser ou le faire penser, que les gens ont la tête et que l'Afrique, c'est pas des gens, et les Africains ne sont pas idiots, au contraire, dans la génération... dans la jeune génération, en dessous de 25 ans, il y a un potentiel énorme. Après, maintenant, je pense que malheureusement, il y a encore une volonté de brider ce potentiel. Donc voilà, j'ai apprécié certaines choses, mais je ne sais pas à quoi ça rime ou à quoi ça va servir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de choses que ces jeunes ont dit qu'on n'entend pas des chefs d'État actuels. En Afrique, il y a une crise mondiale du leader, on a un problème de leader dans le monde, il n'y a plus de leader, et les leaders qu'on a, c'est des exagérations de leader, tu vois, donc du coup, c'est des clichés incroyables, donc du coup, il n'y a plus de bons leaders, donc c'est ça le problème, comme en Afrique, comme ailleurs, il y a un problème, il y a une crise de leader, voilà pourquoi on entend les jeunes, quand les jeunes s'assoient pour parler au président Macron, ils vont lui dire des trucs qu'on n'entend plus sortir de la bouche de ceux qui sont... à la tête de leur pays, parce qu'ils sont ensemble, ils sont dans leur truc, voilà. Maintenant, je reste assez loin, moi, tu sais, les affaires du peuple m'intéressent parce que j'en fais partie, mais après, la science de la politique, c'est quelque chose que j'analyse pas, et je préfère faire l'idiot par rapport à ça, je ne connais pas. Mais par contre, les affaires du peuple, ce qui est la définition de politique au départ, oui, ça m'intéresse, les affaires du peuple, mais la politique... des politiciens, j'y crois pas, je pense que c'est, voilà, Ok, c'est des intérêts
C'est que des histoires d'intérêt. Merci beaucoup pour ce retour là-dessus. On n'est pas beaucoup revenu aujourd'hui sur toute ta carrière, sur tout ce que tu as pu faire avant, parce que ben, du coup, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis, comme tu le disais, on invite aussi les gens à se renseigner d'eux-mêmes sur tes précédents projets et ton parcours. Mais tu as aussi une grosse expérience en tant que musicien pour plein d'artistes, parmi lesquels on pourrait citer Sugar Minaj, Sugar My Not, Clinton dont on parlait, Dan Akil et évidemment bien d'autres. Est-ce que en ce moment, au-delà de ce projet, tu as d'autres projets studio, oui. Je veux dire, est-ce que tu travailles avec d'autres artistes? Oui, carrément. Alors, je travaille avec d'autres artistes. Déjà, il y a le travail avec Azania Band d'Afrique du Sud et Jassam, là, un peu une triangulation entre la Réunion et l'Afrique du Sud et le Mali qui s'est mis en place depuis quelques années. Et là, il y a deux beaux projets. Il y a le projet du band, Azania Band, qui est un très vieux band d'Afrique du Sud, qui a accompagné beaucoup, beaucoup de Jamaïcains là-bas. Une grosse histoire. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un album avec Cédric Maïton, qu'on a fait, qui devrait sortir en 2022. Pareil, Azania Band et Cédric Maïton, où je suis intervenu en tant que musicien, mais j'ai mixé l'album aussi. Donc il y a ce projet-là, ces deux albums en tout cas, et un projet live qui devrait voir le jour en 2022. Et ça, c'est Be Wild Productions et Azania Band, c'est un peu les noms qu'il faut retenir. Mm-hmm. Be Wild Productions, c'est la Réunion, et puis Azania Band, c'est l'Afrique du Sud, au Cap. Après, étant pas mal en Belgique en ce moment, parce que j'ai un de mes fistons qui étudie là-bas, et je bosse aussi pour quelques producteurs là-bas qui font des très bonnes choses. Je ne savais pas qu'en Belgique, il y avait des activistes comme ça, de reggae, de roots. Donc je ne pense pas qu'ils soient très nombreux, mais ceux que j'ai rencontrés là m'ont particulièrement impressionné. Et du coup, on travaille ensemble aussi sur certains projets là qui les concernent, mais sur lesquels j'ai travaillé. Yes, on entendait aussi, grâce à Selecta, en tout début d'émission, un projet de l'artiste Casfelges, je crois qu'il est ivoirien. Oui, de Côte d'Ivoire, oui. Alors il y a plein d'artistes avec qui j'ai collaboré. Tu as beaucoup travaillé sur son album. Oui, tout à fait. Et puis, du coup, il y a aussi les deux premiers albums de Takana Zion qui ont été récemment réédités. Du coup, des albums que tu as produits aussi à l'époque. Carrément, alors surtout le premier, le deuxième, on l'avait fait entre Humble Arc et Paris, avec la direction un peu productive de Nicolas et Romain de Macassonde à l'époque. Yes. Donc, là, c'est réédité chez Soulbeat, c'est ça réédité. Les deux ont été réédités chez Soulbeat, et puis il y a le dernier album de Takana qui est très nice. Tout à fait, qui vient de sortir, je crois. Qui vient de sortir, effectivement. Sur lequel tu as travaillé aussi ? Sur lequel, non, celui-là, j'ai pas travaillé. Le précédent qu'il avait fait en Jamaïque, j'avais fait des percussions dessus, mais pas celui-là. Bah, là, on s'est beaucoup moins croisés, on est toujours en relation. Un frère reste un frère, mais on s'est beaucoup moins croisés ces derniers temps. Bah, il était beaucoup en Guinée, moi j'étais beaucoup en Europe. Le confinement, etc., a fait qu'on s'est moins croisés, donc bon, on a moins travaillé ensemble. Yassai. Même question par rapport au live. Je crois qu'il y a une tournée d'Anna Kill qui est en cours, là. Oui, carrément, il y a une tournée d'Anna Kill qui est en cours. Il y a Clinton Ferron. Yes. Qui reprendra la tournée au printemps. Il y a ce projet avec Azania Band. Voilà, il y a quelques projets qui devraient tourner cet été. Alright, on espère t'apercevoir sur scène aussi alors. on va bientôt se retrouver en live. Quand on s'était vu, on s'était vu pour le troisième volet donc de Toumali. Qui était rouge, je crois, de couleur rouge. J'ai oublié de dire d'ailleurs que c'est Ivo Abadi qui fait les pochettes. Oui, c'est aussi. Le batteur qui a fait la pochette, qui est dessinateur extraordinaire. Et tu m'avais raconté une histoire de maturation, que ça symbolisait un peu la maturation d'un fruit. Oui, ça c'était pour les dubs Toumali, c'est vrai. Pour les dubs Toumali, le premier volume était vert, le deuxième jaune et le troisième rouge. Et effectivement, c'était... Du coup, tu devines ma question, celui-là il est vert, est-ce que il y aura... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est à la fois vert, jaune et un peu rouge aussi. moi j'ai aimé en tout cas la pochette qui nous a proposé Ivo, et c'était dans ces tons là et je crois que c'est des tons apaisants en fait. Je crois que au-delà des goûts, c'est un effet. Je crois que les tons présents nous ont fait du bien, donc on s'est dit ouais, ça correspond. Ça. Mais donc il n'y aura pas un volume jaune après qui serait le volume Je sais pas si ça ira jusque là. Après, il faut surprendre toujours, tu sais, il faut être là où on ne l'attend pas. Donc, comme tu nous attends là, ça sera différent. Ok. ça marche. Je voulais prendre des nouvelles rapidement avant de se retrouver en live du Humble Arc, même si du coup, toi, il est toujours fréquent là-bas. Et quelles sont les fresh news de là-bas? Écoute, déjà des overdubs de l'album. Ok.
Effectivement, bah, comme tu le sais, j'ai pas trop envie de m'éterniser dessus, on n'a pas le temps, mais bon, le Mali il vit une situation pas évidente, bah, ça ira mieux. De toute façon, rien ne tuera le Mali, donc il ne peut que devenir plus fort. Mais c'est vrai qu'actuellement, beaucoup d'artistes, musiciens travaillent dans la sous-région, dans les pays alentours ou en Europe. Donc il n'y a pas l'émulsion qu'il y avait jusqu'en 2011-2012. C'est un peu le bazar dans le centre du pays, je crois. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses à... Qui ont besoin de se régler, et au final, ben, ceux qui sont sur place tiennent le flambeau. Il y a des choses, ça joue, ça enregistre, ça fait des choses, mais il y a moins d'émulsions, je dirais, internationales dans l'Ouest Afrique et dans le reste du monde qu'à cette époque-là, en tout cas. Ok, dernière question, Manjoul. C'est quoi la posologie pour cet album? Ah, la posologie. Pour cette thérapie. Le problème, c'est quoi? C'est que celui qui fait le médicament, c'est pas lui qui fait la posologie. Donc il faudra demander à les spécialistes. Voilà. C'est eux qui pourront établir une posologie en fonction de chacun. Mais je crois que c'est chacun qui peut établir sa propre posologie juste en suivant son cœur et ses affections. En tout cas, on vous recommande fortement le nouvel album de Manjoul avec Ivo Abadi et FX Villaverde. Ça s'appelle Sound Therapy. Moi, il n'y a pas de problème. Je peux me l'écouter plusieurs fois par jour. Je ne sature pas du tout. Donc, non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas trop de circonstances secondaires nocives, on va dire. Non, c'est légal. Pas d'effet indésirable non plus. A priori, jusqu'à présent, rien de déclaré. Yes, I. Donc, vous avez, t'as compris, viens voir le docteur, quoi. Ouais, écoute, consomme la posologie. Yes, I. Manjoul, merci beaucoup. Merci welcome à vous, back merci anytime. Et puis, on se quitte pas tout de suite, puisqu'on a juste le temps de t'entendre en live dans nos studios de Cergy. En attendant de te découvrir en live, on découvre bien sûr un dernier extrait de ce projet, c'est le titre The Lion and the Hunter, où on te retrouve aussi au micro, qui est, je crois, un hommage aux deux poètes. C'est ça, exactement. Yes, I. Manjoul en direct live sur RGB. Si la baroma vei di maria e vai vo. Where is love? Where is love? Somewhere to be found, inside and around. You want to talk, be ready to listen. Be ready to answer. You want to ask, be ready to answer. Where is love? Where is love? Where is love? Somewhere to be found. Somewhere to be found. Inside and around. Inside and around. Where is love? Where is love? Where is love? Somewhere to be found. Somewhere to be found.
of respect in all aspects. Seriously connect. Where is love? Where is love? Somewhere to be found, inside and around. Where is love? Where is love? Somewhere to be found. Somewhere to be love and good things for the human being. Yeah, are somewhere to be found. Somewhere to be found. God and good things for the human being. In this world, are inside and